Bonjour à tous et bienvenue dans le point comics VO de Too Many Books. Cette fois-ci, je vais traiter de toutes les sorties, enfin presque les sorties que je peux m'acheter VO du mois de mai. On commence tout de suite par Chrononauts, le numéro 2, de Mark Millar et Sean Gordon Murphy, donc deux grands talents du monde du comics. Ça parle de voyage dans le temps, c'est une sorte de buddy movie croisé avec du retour vers le futur et du gros bordel temporel. C'est très beau, très drôle, très dynamique, c'est un méga coup de cœur et il me tarde de lire la suite. Miss Marvel numéro 15, toujours aussi beau, toujours aussi drôle, je suis toujours autant amoureux de Kamala. C'est lié avec le annual des Inhumains qui est sorti, donc voilà, je le conseille à lire, c'est toujours aussi bien. Inhuman annual. Tac, ici on voit peut-être mieux, hop, donc c'est le bordel chez les Inhumains. Lineage a renversé à peu près tout le monde et est en train de foutre une merde incroyable. On y croise Miss Marvel, ça aurait pu être plus épique, mais ça n'en reste pas moins intéressant. Amazing Spider-Man 18, avec Dan Slott, Gage et Humberto Ramos au dessin, c'est toujours une équipe qui pète grave sur cette série. Peter Parker va découvrir sur qui il peut compter vraiment, il va perdre énormément dans cet épisode, et Black Cat, qui est elle aussi mon amoureuse, devient totalement impitoyable, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Rocket Raccoon numéro 11. Autant en VF on termine un arc, que ici on en termine un autre. Ça apporte du nouveau chez ce petit raton laveur. Bon, la fin me semble un petit peu expéditif, même si c'est plus Cotillon qui dessine, Jake Parker s'en sort plutôt pas mal. À suivre, ça à lire quand même, c'est plutôt sympathique, c'est pas ouf, mais sympathique. Red Queens numéro 10, hop, tac, donc avec le dessinateur Stepan Sejic, je sais pas du tout comment ça se prononce, mais qui est un dieu du dessin, j'en avais parlé avec Ravine sur un des épisodes de Geeking et tout. Là, c'est la fin d'une histoire, c'est juste super beau, on en apprend plus sur les personnages, genre Anna, on voit un peu plus ses origines, etc. Sur Dee aussi, il me tarde de voir la suite, parce que là, c'est vraiment une conclusion, donc je sais pas trop quoi dire de plus. C'est toujours aussi drôle, toujours aussi beau, sexy, voilà. À lire. Merci à tous d'avoir suivi ce premier point comics VO de Too Many Books. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Hein. Ce mois de mai est plutôt bon côté VO, c'est assez intéressant, notamment Chrononauts, qui est, comme je l'ai dit, un méga coup de cœur, Red Queens, qui est toujours aussi bien, et chez les grands, Spider-Man, ça vaut toujours le coup, Miss Marvel, c'est toujours bien. Enfin voilà, c'est un sacré bon mois quand même. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve pour le prochain.